Allez, me voilà pour la toute première fois chez Carrefour pour une vidéo spéciale bricolage. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ceci, par du Hyundai. C'est quoi? C'est une ponceuse excentrique sans fil en 125 mm, 12 000 tours minute. Alors, ça fonctionne avec une batterie lithium 2 A qui est fournie avec. Ça coûte 74,99 €. Et voilà la composition du pack. En Hyundai, tiens, je savais même pas qu'ils faisaient du petit matériel électroportatif comme ça. À côté, on a quoi? On a une perceuse 18 volts, pareil, sans fil. Alors, pour percer maximum 10 mm de diamètre, 0,350 tours minute pour la première vitesse et 0,1250 tours minute pour la deuxième. Alors, autonomie de la batterie 1 heure, ça coûte 39,90 €. C'est revendu dans une belle mallette, vous voyez, c'est pas mal. Hein, et est-ce que je peux avoir le détail exact de ce qu'il y a dans la mallette? Ce serait génial, ça. Je pense qu'il y a tout ça, hein, mais c'est pas précisé plus explicitement. Attendez, peut-être par là? Non. Bah non, écoutez, j'ai rien. J'ai rien qui me dit plus explicitement. Bon, écoutez, ça coûte 39,90 €. J'ai même pas de marque à vous donner. Ici, on a une scie sauteuse Bosch à 69,99 €. Garantie 3 ans, c'est la PST 650. Alors ça, c'est un matériel filaire. Hein, je vais le retourner. Et je suis droitière, les gars, c'est une galère. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Construction compacte et légère pour un sillage précis. Vous avez maniement aisé et sûr grâce au système Low Vibration de Bosch et le revêtement Soft Grip. C'est du 500 watts, 3100 tours minute. La bécane, elle fait 1,6 kg. Voilà pour les largeurs de coupe. 65 mm maximum, je crois que c'est du bois, métal et fer. 10 mm et 4 mm, je vois pas la différence entre les deux cryptos là. Fonction soufflerie activable en continu et j'ai pas d'informations sur le câble d'alimentation. Bon, changement de lame rapide et sans clé grâce au système SDS. Hop, ça coûte 69,99 €. Ici, ça n'a rien à voir, hein, mais on a un set de 46 pièces Bosch comme ceci. Ça coûte 39,99 € dans la petite mallette. C'est un tournevis en bout magnétique, c'est ça? Hop. La petite visseuse sans fil Bosch ici, elle coûte 49,95 € dans sa petite mallette plastique. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Hein, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est de savoir si c'est chou. Donc, visseuse, dévisseuse sans fil. Vous avez les embouts de vissage qui sont fournis. Je vais vous dire combien si j'arrive à trouver. Il y en a 10. Vous avez un mini chargeur micro USB et vous avez la petite boîte de rangement. Bon, c'est bien ça pour les gens comme moi. 49,95 €. Je ne sais pas ce que vous pensez du prix. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence, vous pensez, d'acheter sur Internet ou dans les magasins spécialisés? Est-ce que vous avez déjà fait le comparatif ou pas? Ici, on a quoi? On a un télémètre laser à 69,99 €. Donc facile à utiliser, garantie 3 ans. C'est toujours du Bosch, hein. Toujours, toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Allez, en Black & Decker, j'ai un gros marteau perforateur ici, SDS, 650 watts. Il coûte 99,99 €. Donc il a trois fonctions. Vous pouvez changer rapidement de mode pour une utilisation efficace lors du perçage, perforation ou burinage. Au choix. Moteur puissant de 1,4 joules. Donc il fournit une force de frappe élevée, facilitant la réalisation de toutes les applications. Et enfin, vitesse variable pour vous offrir un meilleur contrôle pour les tâches de perçage et le burinage. J'ai pas d'informations complémentaires, si c'est garanti 2 ans. Bon voilà, du Black & Decker. Hop, 99,99 €. Ici, on a une grosse bécane 4 en 1 à 169,90 €. Alors, je vais le descendre parce que je suis incapable de rester comme ça là. Je suis pas assez grande, il me faudra un marchepied. Donc voilà l'arrière de la boîte. Donc c'est un outil multifonction pour réaliser tous vos travaux de bricolage quotidien. Vous avez plusieurs têtes interchangeables.
Alors, ce kit de démarrage multi-évo est livré avec une tête de perceuse visseuse qui permet de percer des trous de 25 mm dans le bois, 10 mm dans le métal, et vous avez des têtes supplémentaires disponibles pour compléter votre équipement. Pas bien compris, mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, perceuse visseuse sans fil, 18 volts. Livré en sac de rangement avec deux batteries 1,5 ampères chacune, un chargeur 400 mAh et deux têtes adaptables. Voilà, 6 sauteuses et ponceuses de détail, punaise. J'ai dû vous endormir pour vous dire exactement ce qu'il y avait. Voilà, donc le kit 4 en 1 coûte 169,90€, c'est garanti 2 ans. Allez, toujours en Bosch, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un outil universel, c'est quoi ça? Universel multi. Scié, tronçonné, poncé, ça coûte 159,99€. Alors, 10 000, 20 000 tours minute, Starlock. Donc vous avez le système autoclic permettant de changer d'accessoire facilement en seulement 3 secondes. Voilà de plus près hein, les visuels. En fait, j'essaie de trouver l'histoire de la batterie, mais je ne vois pas du tout. Outil multifonction, très polyvalent, grâce à un grand nombre d'accessoires innovants Starlock Bosch. Donc avec LED pour l'éclairage de la zone de travail. Il me semble que c'est sur batterie, hein. Il me semble que c'est sur batterie. Je vois pas le câble. Puis vu le prix, je pense que c'est sur batterie. Ah oui, bah oui. Ok. Oula, je suis en train de parler dans le vide, je sais pas ce que je vous ai dit du coup. Meilleure maîtrise grâce à la précision. Présélection de couple, position neutre permet le serrage manuel des vis et vous avez une fonction push and go. 360 tours minute, 69,99€ en Bosch. Et j'espère que ça n'a pas trop bugué parce que j'ai vu que ça filmait pas. J'étais en train de parler toute seule pendant un moment. Je m'excuse. Là, on a un pistolet à colle thermofusible à 39,99€. 20 grammes minute, maximum 200 degrés en termes de chauffe. Diamètre 11 mm, garantie 3 ans. Je ne savais même pas que ça existait un truc comme ça. J'en ai vu, ben, ça fait pas longtemps en fait. Mais voilà, en Bosch, 39,99€. Je crois que je vous ai tout montré là sur le Bosch. Il me reste... Vous voulez montrer celle-là là? Vous voulez pas montrer celle-là? À 109,90€. C'est quoi ça? C'est une perceuse. Ouais, c'est ça, c'est une perceuse. Donc bois, métal et toute application de vissage. Vous avez la mallette. C'est une deux vitesses. Et une vitesse lente pour un vissage contrôlé. Qu'est-ce qu'on vous fournit avec? Une batterie, mais c'est du 1,5 ampères, 109,99€. Ici, on a quoi? On a un tournevis sans fil, Hyundai. Moi, je dis Hyundai, mais c'est Hyundai, je crois qu'on dit. Donc, sans fil, 32,99€. 180 tours minute, voilà, tension 3,6 volts, fonction visseuse et dévisseuse. Ouais, dites-moi vraiment si Hyundai ça vaut le coup ou pas. J'ai un truc que c'est pas très cher à l'achat. Après, est-ce qu'on n'est pas en galère quand on doit chercher un accessoire ou quelque chose? C'est ça aussi la question. Là, j'ai encore une meuleuse sans fil Hyundai. Hop, elle est à 99,99€. Oula. La tête, elle est en aluminium, variateur de vitesse. Il y en a 6 en tout. Poignée latérale, 3 positions pour droitier et gaucher. Pas de vis-broche M14. Vous avez avec une batterie qui est fournie en 2 ampères. C'est du 125 mm de diamètre. 4000, 8500 tours minute. 99,99€. C'est un prix promo, a priori, en plus, hein. Voilà les bricots, ma vidéo de jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner pour faire partie de la team Arrivage Bricolage. Et bien sûr, je reviendrai pour vous présenter tout ce qui est outillage à main, visserie
Le rayon, il est encore vaste, hein, il y a encore pas mal de trucs, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je reviendrai, ça me fera plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite, bye bye.